Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Dinosaur Love, donc je propose qu'on y aille directement. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo, de commenter, je compte sur toi. Allons-y, c'est parti, let's go. Alors, on a un petit récap. Mec et Grac ont eu une discussion. Mec a dit que s'il ne peut pas l'avoir, personne ne l'aura. Donc genre la menace... j'aime pas Rek, j'aime pas un mec. Et Kram, alors qu'il revient vers Rak après avoir fait ça, franchement là je comprends pas. Donc voilà, Dino toujours fou amoureux de son Rak, ils ont passé une nuit ensemble. Et ils ont passé la soirée ensemble, il est allé voir la fac qu'il aimerait bien y aller. Et ça s'est bien passé, franchement ça se passe bien en ce moment, donc je suis très content. L'épisode 1 a été débloqué, donc ça c'est cool. J'attends que l'épisode 2, il est en cours de chargement sur la chaîne. Donc du coup, je croise les doigts. J'espère que ça va passer. Et que les autres épisodes aussi, parce que j'aime beaucoup ce Boys Love. Vraiment. Et il promet. Donc c'est cool. Donc voici pour les récaps. On y va. Alors, je crois que c'est... ici. Allez, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Là. Ah bah il est dégoûté. Je pense qu'il est triste par rapport à ce qu'il lui a dit un mec, je pense. Et Kram, t'as aucune chance de revenir vers lui. Enfin, moi, franchement, je ne comprends pas. Ah, c'est la logeuse, je pense. C'est la dame, je pense. Jeune homme. Ah, il est parti. Oui, avec toi. C'est toi. Regardez son sourire. Je l'aime pas. Je n'aime pas Kram. Je l'aime pas. Je vais dans cette... Peut-être pas, non. Non. Ah, il est parti quelques jours. Je pense qu'il allait pas bien avec ce que lui a dit mec. Et donc du coup, il a préféré partir. Je pense que c'est ça. Ça se comprend, hein. Je l'aime beaucoup. Mais Kram, il a aucune chance hein, de revenir ami avec lui, hein, avec Rak. Non, aucune. Vu ce qu'il a fait, ça m'étonnerait. À moins qu'il y ait un miracle ou je sais pas quoi, ou se passe. Mais moi, je pense que c'est pas possible. Ah non, il est là. Encore un super beau pull. Et oui, il s'habille trop bien. Rak s'habille vraiment très 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 bien. J'adore son style. Elle a couvert quand même, hein, je crois. Hein. Donc c'est bien. Elle a dit qu'elle était partie plus de 20 jours. Alors qu'il est là. Enfin, peut-être qu'il a fait croire. Il va écrire à Dino. Et je crois... Tu es libre? C'est Rak qui envoie un message. Oh non. Il fait le indisponible. Genre, je monte pas trop. Il est trop beau. J'adore Rak. Ah. Alors, oui. Toujours du temps pour toi. Ah, t'as juste à me le dire. Ok, d'accord, Dino. Tu envoies des messages. Bah, on le sait. Hein, Anub. Mais oui, tu pourrais répondre à ton futur chéri. Petit lapin. Je raconte Line. Ah! C'est... Ah!
Ah, oh là là, voix grave. Non, tu peux pas là. C'est beau, ils sont. C'est mignon. Bah oui, il embête. C'est mignon. Moi aussi, j'ai mal au ventre. Ben oui, il s'est disputé avec mec et puis mec, je l'aime pas. Donc ça veut dire que quand même il a envie de passer du temps avec lui, hein. Akuna. Oh. Pour toi, je trouverai du temps. Ils sont cool, ces potes. Les chiens font trop de bruit ici. J'adore. Bande de chiens. Oui, parce que vous rappelez-vous, hein, ils s'appellent tous par des noms d'animaux. Mais oui, dites-nous. Bon, nous, on sait, hein, bien sûr. Ah, c'est les potes de Rick. Ouais, concentre-toi sur tes études. Et je crois qu'en plus il est en couple, hein, celui qui a le pull bleu là sur les épaules. Non. C'est ce qu'il lui a dit, mec. Mais c'est dommage, je trouve qu'il puisse pas en parler librement à ses amis. Rejoindre une autre université. Ah ! Non ! Il va finalement rejoindre... Mais non ! C'est trop bien, c'est bizarre. Mais est-ce que vraiment il va le faire ? Ça serait trop bien. Je suis pour. En plus, il a envie. Il rêve d'intégrer cette université. Mais bon, est-ce que... Pourquoi ça n'a pas pu se faire avant, c'est ça? On était ensemble. Je me mets comme un rêve. Oh my god, j'adore le cri. Oh my god. Oh, j'adore. Oh là là, mon Dieu, on dirait moi. Oh là là, mon Dieu. Oh my god! En plus, c'est trop pour moi, c'est ça! Laissez tomber son rêve, pourquoi j'adore! Ah là là, mon Dieu! Il est tout seul! J'adore! Je l'adore, je t'adore, t'es super! Change rien chez toi, t'es juste trop bien! Oh, regarde, mon Dieu, l'image! Oh là là, on a vu une image, là, elle est magnifique. Oh, j'adore le pot d'orac. Oh mon Dieu. Oh my god. Oh là là, j'adore. Mon Dieu, ça commence très bien, ça fait du bien. Oh là là, on en a besoin. Il appelle ah mince, Dino. Des fois, je suis au fond, le nom encore. Dino. Mais je souviens, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu aussi. Ah, j'adore le pote de Rack. C'est dommage qu'il le quitte d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il va mourir. Elle joue vraiment de la comédie. Elle. Il fait semblant. J'en suis sûr qu'il fait semblant. Il est encore au téléphone. Non. Oh,
ไปเลยค่ะลากมีอะไรแล้วหมดเรื่องแล้วไปไปไปขึ้นห้องขึ้นห้องไปไปว้าวAh ouais, c'est chaud là quand même. Waouh. Waouh. Il faut pas qu'il se sente coupable, hein. Parce que à la base, on est d'accord, hein, mais c'est pas bien, hein, même. C'est pas bien là ce qui se passe. Mais quand même, Kram, qui était ami avec Rak. Coucher avec son mec quand même. Donc waouh. Et c'est chaud, hein. Elle est venue, Dino. C'est bien. Même s'il était au téléphone, il a tout entendu. Oh. C'est bien, Dino. Personne. Oh, il tient à lui, hein. Ouais, il tient à lui. C'est beau. J'espère vraiment que ce boys love va passer sur la chaîne. Moi, je vous le dis parce qu'il est très, très, très bien. Ouais. Non. Non. Non, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Dino. C'est très 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 bien. Parce qu'il le fait déculpabiliser. Et c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il n'a pas à culpabiliser du tout, hein. On est d'accord. C'est pas de sa faute, hein. C'est bien qu'il soit venu tout de suite. Il avait besoin de quelqu'un. Surtout Dino. Ben oui, il est là pour toi. Oh, il le sait. Moi, je vous l'ai dit, hein. Je l'adore, Dino, et je le trouve vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Puis à la télé. Il a un trouble, hein. Genre, vous savez, il prend les mecs qui sont déjà pris, je sais pas. Non, tu vas pas bien, hein. Ah, ou peut-être. Ça, c'est possible, je crois. Ici, il se prend pour Rak. En fait, il idéalise, ou vous savez, il idole un peu Rak, et du coup, il veut prendre sa place. Donc, c'est pour ça qu'il s'est... il est sorti. Il a pris son copain. Il est intéressé par Dino, parce que Dino porte de l'attention à Rak. Je crois que c'est un truc comme ça, je crois. Hein. On dirait, hein. Surtout si vous avez besoin d'aide, vraiment, demandez de l'aide. Hein. Parlez-en. Elles sont jolies, mon Dieu. Oh mon Dieu. Il a besoin d'aide, Kram. Ça se sent. C'est pour ça, hein, vraiment. Hein. Si vous êtes à ce point, voilà, désespéré et que c'est dur dans votre vie, demandez de l'aide. Hein. Vraiment. Il y a toujours une solution. Toujours. Ouais, ouais. Même si on croit qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais je le dis encore. Franchement, j'adore comment il s'habille. Vraiment. Ouais, bon. J'adore ses pulls. Oh non. Non. Au revoir. Oh là là, merde. Je suis venu te parler. Je l'aime pas. Mais par rapport à Kram, je pense. Je l'aime pas. La main sur le genou, je crois que c'est pas la peine. Hein. Bah, pas bien à cause de toi déjà. Kram.
Non. Non. Ah ouais. Il veut rien comprendre lui, hein. Mais casse-toi. Ouais, bah ouais, non, ça c'est clair, hein. Ne pas reproduire, hein. Si quelqu'un veut pas, c'est non. Non. Parce que j'ai terminé. Mais n'importe quoi en plus. Il s'est rien passé. Mais j'aimerais bien lui donner une claque, moi. Mais c'est vrai. Ah, je l'aime pas du tout, mec, hein. J'ai envie de lui donner une claque, hein. Plusieurs, même. J'ai été envoyé de quoi? C'est quoi cette vidéo? Ah, peut-être une vidéo de lui avec Kram. Peut-être. Les personnes avec qui il traînait, que ce soit Kram ou Mec, c'est des personnes nocives, hein. Et ben alors pars. Et c'est clair, il a rien fait. Excuse-moi, mais toi aussi t'as dit oui. Tu le détestes. Bah alors pars. Je le déteste. Mais ils sont fous. Passe. Ils sont un peu fous quand même, hein. Ben, il irait mieux s'il n'était pas dans sa vie, hein. C'est pas encore son petit copain, alors arrête un peu. Toi, vraiment, calme-toi. C'est ça, bien, Rack. C'est ça. Exactement. Et de culpabiliser aussi les autres. Oh. Kram, il a des soucis de santé, je pense. Hein. Oui. Hein? Exactement, c'est comme ça qu'il te parle. Oh là là.
Mais c'est un fou, hein. Franchement, j'aimerais bien trop que la logeuse arrive là et qu'elle le prenne et qu'elle me donne un coup là. Ah, très bien. C'est bien. Donne-lui un coup de pied. C'est horrible. Mais mec! Mais il est taré, hein? Doucement, doucement, doucement. Wow. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, Dino. On va se monter là. Toi, donne-lui un gros coup de poing, Dino. Dans la figure, s'il te plaît. Toi, tu t'en vas et tu reviens plus jamais et tu le laisses tranquille. Tiens, lui, t'as pas mal, tiens. Non. Et alors? Mais n'importe quoi! Ouh, ça donne lui encore un gros coup de poing. Ah ben. N'importe quoi. Non mais c'est pas drôle. Il a des beaux bras. Non mais c'est vrai, oui. Le pauvre. Mais oui, c'est Tino. Il faut qu'il aille dans la autre université, je pense. Ça va être un petit copain. Tout ensemble, Dino. C'est pour être protégé, je pense. Mais il veut pas comme ça. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, mais ce mec-là, je le déteste. C'est bien que Dino soit venu, hein, vraiment. Il méritait des gros coups de poing et des claques, hein. Oh là là. Merci Dino. Son état mental, hein. C'est un jeune médecin. Faut vraiment le surveiller, hein. Ouais, exactement. C'est vrai que... Oh, allez, Dino. Il est accompagné. Il repassera, ouais.
Je pense que en fait, Kram, il a des troubles mentaux. Je pense que c'est ça en fait. Oh, c'est gentil. C'est fou, hein. C'est Kram qui a fait du mal à Rak, mais c'est Rak qui vient lui apporter un cadeau. Et je crois qu'il veut changer d'université. Ah. Pidino. Hmm? Pidino. J'adore quand il dit Pidino. Et ça, c'est trop top. Et faire ce que j'aime. T'as raison. Mais alors, pourquoi t'as pas pu le faire avant? Tu as bien mon tuteur? Je t'aiderai. Oh, c'est trop bien. Donc, du coup, il va changer d'université, c'est trop bien. Je repense à son pote, oh my god. Oh là, alors lui, c'est dommage, on va plus le voir. Mais c'était vraiment une queen. J'adore. Oh, c'est dommage, on va plus les voir, mais bon. Mais alors pourquoi il n'a pas pu y aller avant, alors qu'il rêverait, il rêvait d'aller dans cette université? Je ne sais pas. Ce que je pense. Mais non, c'est quelqu'un de bien, Dino. Très bonne chose. Mais oui, je pense. Je pense. Au fond de lui, je pense quand même qu'il aime bien. Et qu'il se sent en sécurité avec lui. Et ça, je pense qu'il en a besoin, surtout après ce qu'il a vécu. Et c'était chaud, hein, vraiment. Je pensais, waouh. Et ce mec, oh là là, il faut plus qu'il se rapproche de lui. Hein. C'est trop bon, les sushis. Il aime bien les sushis. Ça, on le sait, ouais. Il aime pas le poulet, mais il aime bien le sushi. Il avait dit au début. C'est bon, les sushis. Oh, quel lapin. Il est trop beau, il a une bonne vie. Oh, le petit. Il est trop mignon. Ah. De qui il parle? De toi ou du vrai lapin? Non, je pense qu'il parle d'un vrai lapin. Qui ne m'aime pas. Ah. Ah, on parle de qui là? Je déteste pas. Ah. Gardez espoir. Oui. Qui ne souffre plus, c'est ça. Exactement. Il m'a fait du mal. Oh, c'est bien la métaphore. Très très bien. On aime bien. Franchement, s'il change d'université, je pense que c'est cool. Par contre, je suis dégoûtée parce que dans les potes, j'avais un que j'aimais beaucoup. Rappelez-vous. Ce mec. Comme je le déteste, lui, mon Dieu. Il a bien fait, Dino, de lui donner des coups de poing. Hein. Vraiment. Faut se débarrasser de lui. C'est qui? Par rapport à une vidéo. Non, ça c'est sûr. Excuse-toi. แกไม่ฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหมร้านมันก็ปิดแล้วกลับได้แล้วแม่อยู่กลับไปเหรอครับนี่งานอยู่คนเดียวกับข่าวเฉาที่มันออกมาบริษัทก็แก้แกแล้วไงว่าเป็นคลิปก่อนที่แกจะเข้าวงการอ่ะแกแค่ยอมรับออกไปขอโทษ
C'est une vidéo qui a été tournée avant, mais de quoi, on ne sait pas. Ça c'est chaud, hein. Il faut toujours faire attention en fait à ce qu'on fait, parce que des fois ça ressort et ça a des conséquences des fois sur notre carrière et c'est chaud. Je pense qu'il a dû dans une vidéo dire des choses qu'il fallait pas, je pense. Je pense. C'est sûr que ces derniers temps, tu t'étais pas parfait, hein. Loin de là même, hein. T'étais vraiment un gros salaud. Gros connard. Parce qu'on ne sait pas en fait ce qui s'est passé hein, lors de cette vidéo. On ne sait pas du coup, du tout. Parce que là, elle parle de filles, mais je sais pas. Et par contre, tu laisseras tranquille, s'il te plaît. Hein. Ouais, tu le laisses vivre sa vie. Et tu ne reviens plus. Même si je l'aime pas, je trouve que c'est bien qu'il ait une femme comme elle à ses côtés. Mais vraiment, je pense qu'il boit parce qu'il sait très bien qu'il a fait des conneries et que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et il en prend conscience maintenant. Parce que Dino, je pense, l'a fait réveiller. Il fait prendre conscience que non, t'étais... C'est pas bien. Allez. Dernière partie. C'est déjà fini, presque. Oh là là. Vous allez me dire encore, je vais le dire, mais c'est vrai. J'adore son sweat. Et alors, le pantalon un petit peu déchiré en bas, ça lui va super bien aussi. Hein. Il s'habille trop bien. J'adore son sa façon. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je pourrais pas mettre ça maintenant, je vous l'avais dit. Il fait trop chaud. Mais oui. Je suis en short et en t-shirt. Oh, c'est bon, hein, où il est. Hein. Les décors sont très beaux, hein. Vraiment. Ils ont bien choisi les décors. J'adore son pull. Où is? Qui est-ce? Dino? Oh, il est beau. Oh, il est bizarre. J'adore sa petite voix intérieure, elle est trop bien. C'est bien d'avoir fait ça, je trouve, c'est cool. C'est à lui. Non. Cet endroit est à lui, je pense. Il est propre. Non? D'où le bel appartement qu'il avait. C'est pas à ses parents, c'est à lui. On sait rien. Hein. Ça appartient à ses parents. Waouh, c'est un hôtel. C'est un beau parti, hein. Mais c'est cool parce que en plus, bon, bah, d'être très riche, on va dire. Et ben, il prend pas la grosse tête, il est bien, donc c'est cool. Ah ouais, c'est beau, j'adore.
Et il travaille, en plus de ses études, donc ça prouve que c'est quelqu'un de bien. Bah oui, il te regarde. Tu lâches pas des... C'est ça, hein? Mais t'es beau comme ça. Pourquoi petit? Sous le charme, oui! Tu peux le dire! Ah, j'adore! Bah ouais, c'est clair! Il est tout beau! Tu veux m'aider à me changer, mon Dieu? J'adore, Dino! Par contre, moi, c'est vrai que c'est un truc, les pantalons trop courts en bas, j'ai un peu du mal. Mais il est super ce dino, hein, vraiment. Parce que ça se passe super... Ah ben, mais c'est un peu de dinosaure. Il se travaille très bien apparemment à l'école. Franchement, il a une bonne situation. Ah, j'ai appuyé un truc. Et je pense que j'aurais pas dû... En fait, j'ai baissé les sous-titres. Tu sais pourquoi? Voilà. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un de très 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 bien, hein, ce dino. Hein. Il a tout pour lui. Hein. Oh. C'est une bonne idée, ça, c'est super sympa. Mais si tu me contrarie, j'en enlèverai de... Ouh là là, t'as intérêt, ça, genre. Oh, c'est bien, hein. Qu'une seule... Ouais, parce que deux, ça fait beaucoup, quand même, hein. Mais tu peux déjà commencer à en mettre, hein. Oui, quand il sera plein. Ah, c'est trop bien, ça. Je sais pas si vous avez compris. Ça va, c'est trop mignon. Quand le bocal sera plein d'étoiles, ils pourront sortir ensemble. Par contre, s'ils se comportent mal... Ah oui, pas tout de suite, attendez. Hey, on est qu'au troisième épisode. Il faut qu'il le drague encore. Hein. Moi, j'aime bien cette période où tu le dragues. Oui, on veut voir les amis. Surtout la queen. Oh my god. Mais bon, je crois que Rak est déjà sous le charme, je pense. C'est le fameux endroit qu'ils vont acheter. Quoi? C'est trop bien l'idée du bocal. Franchement, c'est très 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 bien. On tourne là par les... Mais non, maintenant, c'est plus que ça, hein. Ça, c'est clair, hein. Mais ce mec-là, c'est bizarre, je pensais que c'était vraiment son pote, on la voit plus. Mince. Bon, j'ai l'impression que le fait d'être riche, eh ben, ça engendre quelques conflits et quelques trucs qui sont pas très 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 bien, je pense. Donc on va voir ça. Franchement, alors super dur au début, mec, mon Dieu, mais horrible. J'avais envie de lui donner des coups de poing, des claques, tout ce que tu veux, tout ça. Cram. Je pense qu'il a des troubles. Je pense qu'il a vraiment des troubles et que finalement, il aime tellement Rak qui se prend pour lui et que du coup il est attiré par les personnes qui sont près de Rak. Je pense que c'est ça.
Et puis, j'ai adoré la bande de Rack. Franchement, elle était top. Dino, bon, toujours égal à lui-même. Hein. De toute façon, il est bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il a deux facettes. La facette qu'il nous montre, et puis la facette avec, je pense, les affaires de ses parents, je sais pas quoi. Mais bon, ça a l'air d'être un petit côté sombre. On va dire que on va voir peut-être lors du prochain épisode. Ensuite, oui, Rack qui veut aller enfin à cette université qui rêve tant d'y aller. Ça c'est cool. Par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas pu y aller avant. Pourquoi en fait cette université, il y a un truc avec cette université. On sait que son père y a étudié, donc ça c'est bien. Mais pourquoi en fait cette université qui voulait y aller, il n'a pas pu y aller. Donc ça, il le garde encore un peu secret, donc on verra. Mais c'est trop bien l'idée du bocal aussi. Je trouve que c'est super mignon. Quand il sera plein, eh ben c'est bon quoi. Donc par contre attention parce que si Dino fait quelque chose, il enlève une étoile. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, il est très protecteur et ça, je pense qu'il en a besoin. Et hâte de voir bien sûr la suite. Et j'adore. Donc j'espère que l'épisode passera sur la chaîne et puis que vous allez passer un bon moment avec moi. Nous on se retrouve très bientôt de toute façon. Plein de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bisous.